Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement faire un petit pack opening, après on fera deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne. Alors cette fois-ci, j'ai le grand honneur de vous dire qu'on va ouvrir le coffre à couronne maintenant, et après les attaques. On est des grands malades nous, on est des grands malades. Et ouais, c'est ça qui est bon. Donc du coup on va ouvrir le coffre gratuit les gars. Eh ben non, on va ouvrir le coffre d'argent. Je suis un grand malade, mais attends, mais moi je m'arrête jamais, je suis un fou. 6 gobelins à lance les gars, ça fait plaisir. Un extracteur d'élixir, ça fait plaisir. Et un bébé dragon, mais franchement, mais... J'ai envie de dire, j'ai bien fait de commencer par le coffre d'argent, là. Oh, on commence trop bien. Tant, oh, gobelin à lance, magnifique. Extracteur d'élixir, bon, j'utilise pas encore, mais je pense qu'il y a un moment, j'utiliserai. Bébé dragon, bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même de l'épique. Et attends, tout ça dès le début dans un coffre d'argent, quoi, c'est magnifique. Alors, le petit deuxième coffre d'argent, est-ce qu'il se passe aussi bien? 52 d'or? Attends, on passe de 40 or à 52. C'est énorme. Ok. Un mortier, oui, bon, ça, à la limite, c'est pas non plus. Et 7 gobelins à lance. Eh, mais... Regarde ses yeux, ce mec, là. On dirait qu'il est tout défoncé, le mec. Elles sont oranges et tout. Enfin, ils sont oranges et tout. On dirait un défoncé. Je tue. Eh, mais j'avais jamais remarqué. Enfin bon, donc du coup, maintenant, on va ouvrir le troisième coffre d'argent, les gars. 46 d'or, mais dis, mais on gagne plutôt pas mal en or, là, sur les coffres d'argent. Hein. C'est bien, ça, d'être à N6, hein, ça fait plaisir. 7 flèches, franchement, c'est cool. Et un géant, et un petit géant. Et franchement, ça commence trop bien. Mais ça commence trop bien. Ah, j'ai envie de sentir de la légendaire, là. Ah, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de sentir la légendaire. Il me manquerait encore quelques ordres de gargouilles, ça pourrait être vraiment pas mal. Quelques flèches et quelques cochons. Alors les cochons, je les ai achetés ici, là. Voilà, j'ai acheté quelques cochons, je me suis fait plaisir. Et puis voilà, donc du coup, on va ouvrir le coffre gratuit. Enfin, les coffres gratuits. 62 or, il n'y a rien à dire, hein. Le coffre gratuit, il donne vraiment plus, quoi. Hein. 62 or, 2 gemmes, ça fait plaisir. Un mini PK, c'est pas énorme, j'aurais préféré le cochon. Et 7 barbares. 7 barbares, franchement. Ça va. Ça va, c'est pas ce que je recherche, mais on va dire que ça va. Ça fait plaisir. On commence vraiment bien ce pack opening. Hein. 63 or, c'est pas mal. 7 mortiers. Ah, le coffre gratuit, c'est vraiment un gouffre à mortier, quoi. Un mini PK, mais mini PK aussi, il est toujours dans le gratuit, là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a super bien commencé. On va voir le coffre d'or, qu'est-ce qu'il donne. 163 or, ouais, ça c'est normal, hein, à peu près comme d'hab. Un esprit de feu, non, enfin, 5 esprits de feu. Vraiment pas mal. 6 gobelins, ouais, ça fait plaisir. Bon, je les augmente pas, parce que, bah, je les ai pas dans mon deck. Non, je ne les ai pas. 12 électrocutions. Ouais, enfin, je sais pas, j'hésite parce que, enfin, le niveau il fait pas non plus. C'est pas ce qui fait sa force, hein, comme j'ai déjà dit. Et 3 fournaises, bon voilà, ça fait un peu plaisir. J'aurais préféré de l'épique, mais c'est pas très grave, on peut pas tout avoir non plus. Juste, je vais voir un petit peu au niveau de. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Bah attends, en améliorant de 60, ça paye pas. Ouais, tu vois, il y a la durée n'augmente pas de toute façon. Donc ouais, ça sert à rien de l'augmenter, quoi. Enfin. À part pour faire un petit peu plus de dégâts, mais c'est pas ce qui est prioritaire, quoi. Voilà, donc du coup, enfin, c'est pas ce que je recherche dans cette carte. Voilà, donc du coup, on va ouvrir le coffre à couronne, et normalement, si je me suis pas trompé, j'espère que je me suis pas trompé, normalement, on a un deuxième coffre à couronne qu'on pourra ouvrir, et ça sera plutôt pas mal. Alors, 387 or, c'est pas mal, 3 gemmes, ça fait plaisir, une mousquetaire, ça c'est pas mal aussi. Il y a un moment, il faudra que je la réutilise, cette mousquetaire, parce que vraiment, elle est pas mal. Juste, je veux... La horde de gargouille, ça pourrait être vraiment pas mal. S'il vous plaît, la horde de gargouille. Ah, pas des mortiers, la horde de gargouille, s'il vous plaît. Non, mini PK. Pourquoi il me donne que des mini PK, je comprends pas. Vraiment, j'espère que ça va passer. Vraiment, j'espère que ça va passer, que ça va venir au cochon, là. Parce que moi, je veux pas du mini PK, je veux du cochon. Et 33 électrocutions, quoi. C'est énorme. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'ai envie de dire, le pack opening... J'ai pas forcément eu ce que je voulais, mais c'était pas pour autant pourri, quoi. Ah ouais, on a bien commencé, et c'est vrai que le mini PK est plutôt puissant, quand même. Hein. C'est pas pour dire que c'est nul, mais c'est juste que j'utilise pas. C'est tout, quoi. Et sinon, ouais, il passe bien. Et voilà, boum, un autre coffre à couronne, ça fait plaisir. Donc du coup, moi, je vais vous dire à tout de suite, pour faire deux petites attaques avec ce deck. Est-ce que j'améliore quelque chose? Ah, j'aimerais bien améliorer mes hordes de gargouilles, hein, franchement. Ouais, non, on va laisser ça comme ça, c'est pas très grave. J'attendrai d'avoir mes hordes de gargouilles
et 4000 pièces pour pouvoir les améliorer. Ça sera nickel. Donc du coup, moi je vous dis tout de suite. C'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre Emetru qui est niveau 8. J'étais en train de réfléchir à deux trucs en même temps, du coup j'ai pas su réfléchir. Tu vois le truc, c'était un peu zarbi. Alors juste comme ça, il s'appelle Emetru, mais sauf qu'on peut faire M-Trou. Tu vois, ce qui voudrait dire M-Vérité, ce qui veut rien dire au final. Mais ça serait un mélange de français-anglais un petit peu bizarre. Parce que ça m'étonnerait que M, ça veut dire quelque chose en anglais. Ça m'étonnerait. M-E-M-E. Ça m'étonnerait que ça veut dire quelque chose en anglais. C'est possible, hein. C'est possible. Ça m'étonnerait. Tu vois. Juste comme ça, je crois que là, on a un peu mal joué. Est-ce qu'il a des flèches? Est-ce qu'il a des flèches? Ah, il a une boule de feu. Ah là là, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave, les gars, on commence très mal. Très très mal, surtout au niveau de l'élixir, on n'est pas très bon. Ça va, on l'a mis pile comme il fallait, mais on est des BG nous, hein. Oh là là là, mais on est... Oh, là, là. Oh non, mais j'ai envie de te dire, on est des bons. On est des bons, on est des bons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, hop, de la petite flèche. Et boum. Bon, j'avais que ça à contrer de toute façon, hein. J'avais que ça pour contrer. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire du Valkycochon là. Hein. Allez. Non, mais ça fait toujours plaisir. J'ai jamais vraiment été déçu du Valkycochon, donc j'ai envie de dire, bon, on profite. Ah bon, ouais, c'est vrai que quand il y a ça, c'est pas forcément... Mais au moins, on lui enlève son canon. Yes, au moins, on lui enlève son canon. Mais ouais, c'est l'intelligence, les gars, c'est l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va faire ça, pas de souci. Nous, on va faire ça. On va envoyer notre... je sais plus comment ça s'appelle. C'est un molosse de lave. On va envoyer notre petit molosse de lave. Et vous allez voir, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Bon, après, tu pouvais tuer un minimum... Ouais, voilà, ça serait magnifique. Bon, vous voyez, il a cru qu'il était bon. Il a cru qu'il avait fait un truc de fou. Il a cru que le fait d'avoir mis ma tour comme ça, ça allait faire quoi que ce soit. Bah, ça se voit qu'il me connaît pas. Ah ouais, non, mais là, franchement, je vous assure que ça se voit qu'il me connaît pas. Ah non, mais il a encore un canon, mince. Je pensais pouvoir profiter qu'il avait plus de canon. Pas du tout, pas du tout. C'est pas très grave, les gars, on envoie ça. Allez, hop, on envoie du feu à Gobelin. Allez, hop, on envoie... regardez Valkycochon, regardez le Valkycochon, les gars. Mais regardez-moi ça, mais oui! Hein? Ah bah oui! J'adore ce deck! J'adore ce deck, il est génial! On va quand même défendre, les gars, on va quand même défendre. Parce qu'on n'est pas des fous non plus. On va quand même défendre, voilà. Nickel, regardez-moi ça, on se fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du cochon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les flèches. Vous voyez, petite flèche, je crois que je me suis trompé pour les flèches. Est-ce que ça tue tout le monde? Et ça a pas tué tout le monde. Et ça a pas tué tout le monde. Et ça a pas tué tout le monde. Et ça a pas tué tout le monde, dis donc. Ça a pas tué. C'est bizarre ça. Oh, regardez, à 3 secondes près, le gars, il a perdu à 3 secondes près. Oh là, je deviens fou. Ah, désolé, hein, je deviens fou. Il a pas gagné à 3 secondes près, franchement, chaud patate ce deck. T'as vu, je t'ai dit, il a cru qu'il allait s'enflammer et tout. Super combat, et puis bonne chance pour la suite, mon gars. Tu mérites ta victoire. Bon, du coup, franchement, là, il a cru qu'il allait gagner, et au final, oh là 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 là, au final, on s'est fait plaisir, et c'était un truc de fou, quoi. Juste coffre d'argent, ouais, ok, nickel. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Eh, c'est parti les gars, on est contre Corotoka, je sais pas quoi là, Corotoka, bah, on s'en fout un peu de son truc là. Du coup, soin ferme, c'est qu'on va envoyer notre petit molosse de lave, on va envoyer notre petite Valkyrie au dernier moment. Vous voyez, histoire qu'elle se fasse pas trop targeter. Le problème, c'est que il a pas targeté la Valkyrie, cet enfoiré. Ah, la tour n'a pas target la Valkyrie. Bon, c'est pas très grave, vous savez quoi, on va se venger. On va se venger, on va envoyer la petite horde de gargouilles. Mais à quoi ça sert? Ah oui, non, j'ai rien dit. Non, je pensais que, enfin, comment dire, en gros, je me dis à quoi ça sert, vu que c'est pas une troupe qui peut être touchée. Enfin, tu sais, les bombes de la tour ne pourra pas toucher la troupe. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que ça attire la troupe et tout ça. Et ben, on a bien commencé, on s'est bien vengé. Tu vois, le mec direct, il a commencé, petite gargouille, boum, chevaucheur de cochon. Nous, on lui a dit, ah ouais, tu veux jouer à ça? Eh bah, vas-y, allez, c'est gratuit, de toute façon, on profite, hein. Moi, je vais envoyer mes petites troupes, tranquillou. Ça a bien défoncé. Alors, juste le truc, là, c'est que je me suis fait aussi un petit peu... Bon, on va voir le 2 étoiles. Allez, c'est parti, on va voir le 2 étoiles. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est génial. Tu sais que ton truc, il a servi à rien, là. Enfin bon, c'est pas très grave. On va envoyer de la horde, si on a le temps.
Et il y a possibilité qu'on ait pas le temps. Hein. Ça aurait été mieux les flèches ou pas? Ouais. Ouais, au final, c'était mieux ça. S'il a pas de flèches ou quoi que ce soit. Et bah ouais, c'est bon, c'est nickel. On va envoyer du chevaucheur parce qu'on est des fous, hein. On va faire comme lui. On va envoyer du chevaucheur. Alors, qu'est-ce que ça donne le chevaucheur? T'as quoi pour contrer? Et bah, t'as rien du tout. Et bah, c'est génial. Franchement, je fais plaisir. On prend peut-être pas la tour? Ok, c'est bon, on prend pas la tour. Franchement, là. Je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un petit coup de poker? On va peut-être lui montrer qui c'est le patron. J'ai envie, tu vois, j'ai envie de faire un petit délire. Ok, monsieur a envie de... Monsieur a envie de s'éclater. Ok, bon, on va pas jouer le coup de poker. Quoique, ça peut toujours être possible. Bon, c'est quoi? On lui montre qui c'est le patron ou pas? Allez, on lui montre qui c'est le patron. C'est parti, on va envoyer ça là-haut vite fait. Hop là, on envoie... Mais merde, c'est pas ça que je voulais envoyer, moi. Mais c'est quoi ce délire, là? Mais le jeu a bugué, quoi. Et vas-y, t'es sérieux? Oh, mais le jeu a bugué, mais... Et j'ai dit d'envoyer le molosse de love. Pourquoi j'aurais envoyé une horde de gargouilles tout seul? C'est complètement con. En tout cas, je vais quand même bien défoncer la tour là. Ah ouais, j'ai envie de dire, c'était plutôt pas mal ça. Bon. Non, mais malgré tout, il a bugué le jeu. Le jeu a bugué. Ça, c'est pas très cool pour moi. Parce que ça risque de me faire perdre. Ok, bah nickel. Il envoie ses petites machins alors que ça sert strictement à rien. Voilà, et nous, on est tranquillou là-haut. Regarde ça un peu. On lui prend la tour tranquillou. Et pouf! Et hop là, c'est fini. Oh, regardez le time, le temps extra qui a même pas de time et tout. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du screenshot. Mais j'ai la flemme de le faire. franchement... Ah, j'ai eu peur quand même parce que ça a fait n'importe quoi. J'ai voulu envoyer Molos de lave et ça a envoyé la horde de gargouilles. Quand j'ai vu la horde de gargouilles là-haut, j'ai fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a bugué, ça arrive des fois, ça a bug, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Mais c'est pas très grave parce qu'on a gagné au final. On n'a pas encore le... Enfin bon, tu m'as compris, donc moi je vous dis à tout de suite pour le coffre con, c'est parti. On va ouvrir le petit coffre à couronne. Voilà, et c'est parti. On ouvre vite le coffre à couronne, histoire de se réconforter sur cette défaite complètement nulle. Je sais même pas comment c'est possible que j'ai laissé faire ça. Mais c'est pas très grave. Je sais pas, j'étais fixé sur sa tour et puis j'ai pas pensé à autre chose. 2 gemmes. 4 hordes de gargouilles. Tu te fous de ma gueule. Non mais bientôt, bientôt. On va bientôt les avoir. Et encore 5 et on a réussi. Mortier. Ouais. On va dire que c'est... C'est nul, c'est nul. 35 électrocutions. Mais j'en gagne là, les électrocutions, c'est un truc de fou. Sinon, de la tour de à bombe, c'est pas mon fort. J'aurais préféré une épique ou une légendaire. J'aurais préféré une légendaire, c'est pas très grave. Alors, juste le truc, regardez. Hop. J'attends encore quelques petites hordes de gargouilles. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. On s'est fait un petit pack opening quand même assez sympathique. Ça va, il était pas pourri. Il avait pas forcément les troupes que je voulais, mais il allait bien. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao et puis n'oubliez pas, restez cool.